André Gide est mort à Paris le 19 février 1951. C'est là, à Cuverville, qu'autrefois, après chaque voyage, il venait retrouver dans la grande maison paisible, dans la maison d'Alissa, celle qui en était là. Les fermiers qui aimaient Gide et sa femme ont revendiqué l'honneur de porter en terre celui qui, si souvent, pensait à eux. Par les chemins détrempés, dans la bruine que le vent apporte de la mer toute proche, le petit cortège chemine vers le village en longeant les haies très dépouillées. C'est dans ce calme cimetière que le fervent voyageur repose. Cette année-là, André Gide naissait à Paris, entre deux maisons du ciel, le Scorpion et le Sagittaire. Sans trop chercher à les ordonner, nous avons essayé de grouper autour des lieux et des êtres les souvenirs de son enfance et de sa jeunesse, ainsi que Gide le fit lui-même dans « Si le grain ne meurt ». Je naquis le 22 novembre 1869. Mes parents occupaient alors rue de Médicis, un appartement au 4e ou 5e étage qu'ils quittèrent quelques années plus tard et dont je n'ai pas gardé souvenir. J'en vois pourtant le balcon, ou plutôt ce qu'on voyait du balcon, la place à vol d'oiseaux et le jet d'eau de son bassin. Ou plus précisément encore, je revois les dragons de papier découpés par mon père que nous lancions du haut de ce balcon et qu'emportait le vent par-dessus le bassin de la place jusqu'au jardin du Luxembourg où les hautes branches des marronniers les accrochaient. C'est au Luxembourg que Marie la Bonne l'emmenait promener. Sa mère écrivait. André serait très gentil s'il n'avait pas la manie de faire des stations complètement immobiles au pied d'un arbre à observer les colimaçons. Sans doute, sa passion de l'histoire naturelle s'éveillait-elle déjà.